Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoung Créa. Donc là, je reviens vers vous ce soir, donc on est vendredi, pour vous faire, on va faire ensemble la couverture de l'album Livre d'or de ma maman. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc je vous avais montré mon livre d'or et mon album photo qui est là-bas, mais bon, là vous ne le voyez pas. Du coup, et je sais que quelqu'un m'avait demandé, ah bah, comment tu fais? Donc déjà, on va faire ensemble la couverture. Donc pour faire la couverture, j'ai pris de la cartonnette, voilà, de cracotte. Voilà, j'achète donc les cartonnettes de cracotte ou de céréales. J'ai coupé, pour que ça fasse quand même assez épais, j'ai pris deux morceaux. Donc en tout, il en faudra 4 morceaux de cartonnette de 15,5 sur 22 pour pouvoir mettre ce genre de carnet. Donc ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça avec le papier de chez Action. D'ailleurs, j'ai d'autres trucs à finir de coller. Là, on va faire ensemble la couverture. Je vais voir combien de temps ça prend. Et puis, je verrai si je peux fignoler des petites choses avec vous. Donc 4 cartonnettes comme ça de 15,5 sur 22. Deux pour faire la tranche. Donc en fait, pour faire la tranche, j'ai à peu près... J'ai collé les deux parce qu'en fait... Ça sera collé comme ça. Donc j'ai essayé d'évaluer à peu près combien ça fera. Donc vous voyez, là ça sera très bien parce qu'en rajoutant les photos, ça ira très bien. Voilà. Donc là ça fait à peu près 3, je crois. Donc j'ai mis 1 cm de plus en gros. Ouais, ça fait même 2. En bien serrant, ça fait 2,5. Du coup, c'est très bien. Comme ça, bah, quand il y aura les photos, ça va être assez épais et ça laisse de l'aisance. On va faire ça. Donc là, je vais prendre aussi la tâche. Bon, on fera en main ensemble hein, pour les rubans. Donc déjà, on va s'occuper de la couverture. Alors, donc du coup, on va coller nos deux cartonnettes ensemble. Donc j'utilise ma colle scotch, enfin la colle Alperpose. Donc c'est vrai que quand on en utilise beaucoup, c'est ce que je disais l'autre fois dans une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas cette vidéo, parce que je sais que j'en ai fait une pour le concours de Camille, mais que j'ai encore pas à les programmer pour la semaine prochaine, parce qu'elle n'a pas encore reçu mon envoi. Donc voilà, on colle à peu près voilà, nos cartonnettes ensemble. Et ensuite, alors je vais vous dire aussi que j'ai pris du papier. Donc là, je vais coller les deux cartonnettes de la tranche ensemble. Donc comme quelqu'un me l'avait demandé. Alors je vais voir si après j'aurai le temps de faire le petit bijou d'album avec vous. Parce que ça, finalement, je ne vais pas l'emmener dès demain chez ma maman. Je vais demain. Mais son anniversaire, ce n'est pas ce week-end là, mais c'est l'autre. Donc heureusement parce que là je serai vraiment pas à l'avance. Chez elle, je vais finir tous les home déco que je vous avais fait automnal. Donc ça, je vais les finir chez maman. Comme ça, c'est plus pratique pour pas les abîmer. Puis elle a une grande caisse, maman. Enfin, elle a un truc pour pouvoir. Je mettrai ça dedans pour après emmener dans la salle. Donc, alors on colle nos deux cartonnettes. Et puis après, on va faire. Bah, comme un album, quoi. Alors, je cherchais. Ah oui, j'ai pas prévu un papier pour remettre là. Ah, c'est ça que j'ai oublié, vous voyez? Bon, on reprendra ensemble. J'ai oublié de préparer ça quand j'ai fait mon préparation. Alors, j'ai préparé ça jeudi, mercredi après-midi. Et puis, je voulais. Alors, bon, normalement, j'ai le petit appareil que j'avais pris chez Craftelier. Donc, je laisse à peu près ça. Vous voyez, à peu près un demi, même pas un demi centimètre. Je laisse à peu près ça, moi. Donc là, on va commencer à coller cette partie-là. Donc là, j'ai pris 2 feuilles de craft du papier de chez Action que j'ai collé ensemble. Et vous voyez, là, je mets le milieu juste au milieu de la tranche. Comme ça, quand on recolle après notre papier déco, ça ne se verra pas qu'on a fait un rajout, en fait. Donc du coup, j'y vais. Je vais en coller ça. Donc j'en colle déjà une première. Donc je mets pas mal de colle bah, pour que ça tienne. Hein. Donc voilà, je badigeonne de colle. Moi je me sers toujours de celle-là. Bon,
Ça a l'air de tenir, hein. J'aime beaucoup cette colle. Je préfère celle-là que la helper pour, la tête igloo. Au début, je me servais de la tête igloo, mais là, je trouve qu'elle gondole. Donc, après, voilà, hein. Donc là, je me mets à peu près comme ça. J'aurais pu redescendre un tout petit peu pour que ce soit à peu près égal en haut et en bas. Bon, ça, c'est pas grave. On va rajouter après le papier. Donc là, je me mets à peu près. Donc, je vais coller déjà ma tranche pour après coller l'autre. Et puis, je vais garder la même à peu près largeur. Donc, normalement, j'ai le petit kit. C'est dommage, je voulais vous le faire avec le petit kit. Et puis, bah, je ne le trouve pas. Donc, vous voyez, je laisse à peu près ça. Voilà. Je laisse vraiment 2 petits millimètres. Et là, je vais faire pareil. J'ai dit trop tout à l'heure, mais je vais faire à peu près pareil là. Donc là, on colle. Donc là, j'avais mis les mesures. Je vais peut-être remettre en barre de description les mesures, peut-être. Bon, après, il n'y a pas non plus, c'est pas des grandes mesures. Donc, 15,5 sur 22. Si vous voulez faire... Après, c'est pour vous montrer le principe. Parce que là, j'ai utilisé carrément, je vais vous expliquer, j'ai utilisé du papier kraft que des feuilles dans son entièreté, en fait. Comme ça, j'ai pas de chute pour faire mon album. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait mes pages. Parce que ça... Il n'y a pas, c'est pas beaucoup d'explications. Donc là, on va venir après faire nos petits bords ici. Donc là, je viens prendre, je peux faire avec la règle, normalement, ça sera peut-être mieux pour vous montrer de faire ça bien. Bon, je peux prendre même un crayon comme ça. Donc là, je viens et je laisse un tout petit peu pour faire un angle. On laisse toujours un tout petit peu là. Vous n'allez pas voir, évidemment, je suis hors champ. Mais comme j'ai pas un grand bureau, je vais vous faire de ce côté-là. Voyez, je laisse toujours un petit bord là. Voilà, je vais couper comme ça. Et puis là, je vais faire pareil et je laisse un petit bord. C'est pour ça que je voulais retrouver mon kit. Parce que c'est bien avec le kit, on met et hop, on trace. Et là, je vais venir couper. Voilà, pour faire. Alors, je vais prendre un bon ciseau par contre. Donc là, je viens couper mon papier. Voilà. Et puis après, on va venir bien faire ses angles et mettre sa colle. Voilà. Donc, voilà. Je vais peut-être vous rebaisser légèrement. Est-ce que vous verrez mieux comme ça? Voilà. Je vais me remettre comme ça. Ce sera mieux. Donc là, on va enlever le carnet. De toute façon, j'avais pas. Je vous dirai les mesures du papier déco après. Donc là, on va venir plier comme ça, bien marquer ses angles. Donc, je vais faire quand même bien en marquant avec le pliloir. Voilà. Et puis là, on va faire pareil. Et puis là, je vais revenir faire un papier à remettre pour faire le milieu. Voilà. De toute façon, je vais recoller carrément. Je vais reprendre une feuille où je vais faire des bandes parce qu'après, si je colle ça, normalement, ça se verra pas. Donc là, on va venir coller. Donc là, je mets plein de colle. J'en colle bien. Et je viens coller mon tiroir. Voilà. Donc là, je viens bien coller. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, ça va, c'est moyenne forme encore, comme de... Enfin, j'allais un peu mieux, et puis, bah, là, c'est compliqué. Bon, là, ça... Enfin, voilà, je pense que c'est...
La ménopause qui travaille, j'ai l'impression. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je sors du médecin où je vais avoir des petites analyses à faire. Bon, après, c'est pas méchant, hein. Mais c'est surtout mon estomac là qui me travaille là. Oh, c'est compliqué. Mais bon, ça va passer. On dit. Voilà, faut pas trop y penser. C'est vrai que quand on se focalise sur ces problèmes, c'est là qu'on est encore plus mal, j'ai l'impression. Donc là, bah, je suis contente pour l'anniversaire de maman. On va revoir des cousins, cousines qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc je suis super contente. Bon, ça va être un peu fatigant, mais bon, voilà. Après, puis maman est super contente de faire ça. On sent que ça lui donne un petit regain parce qu'elle fait pas beaucoup de choses. Hein. Enfin, comme elle est en... Ma maman a fait un AVC il y a quelques années et du coup elle est en fauteuil. Donc elle s'est pas bien remise de son AVC. Et voilà. Regardez-moi ça. Et là, on va marquer. Ah oui, j'aurais dû le faire peut-être avant. Non, c'est bon. Voilà, on va bien le marquer, mais de toute façon, je vais refaire avec. Oui, il faut bien attendre que ça sèche. Mais là, on va refaire une petite bande. On va le faire ensemble, du coup. Je vais reprendre du papier craft. Donc, je vais faire à peu près. Je vais prendre combien? Je vais prendre 20. 20 sur. Je vais faire un morceau de 20 sur 9. Ouais, peut-être. On va faire un peu plus. 20 sur 10. Comme ça sera à peu près. Ouais, 20 sur 10, je vais faire. Donc, je vais faire un morceau de 20 sur 10. Vous allez m'excuser, je vais faire ça par là. Parce que là, est-ce que je vais avoir la place? Oh, bah si, on va y arriver. Donc, je vais prendre une feuille de craft. Donc, j'ai pris là pour faire la couverture une feuille de craft fine. J'ai pris que des fines en fait pour faire mon album. Mais... Parce que comme on mettait pas mal de. Vous allez voir, j'ai pris vraiment que les fines, il me semble. J'ai pas pris les épaisses là. Ah non, j'ai peut-être pris les épaisses quand même. Non, j'ai pris les épaisses pour faire. Je m'en rappelle plus. Hein. Alors, 10, j'ai dit sur 20. Donc, 10 sur 20. Bon, je peux même laisser et tout. Hein. Ça me fera pas de chute. Bah oui, je vais laisser tout. Voilà, et là on va venir le coller ici et bien marquer après ses angles. Mais j'aurais dû le faire avant même, mais ça c'est pas grave parce qu'après on va recoller. Donc là je viens mettre de la colle sur mon petit papier. Donc j'en mets bien partout. Du coup, on va attendre un petit peu que ça sèche, la couverture, et puis je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Comment. Donc là, je mets à peu près égal les deux morceaux. Je vais voir où je suis. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Et là, j'en colle. Là, j'ai bien marqué. Vous voyez, je marque le pli. Voilà. Hop. Et puis là, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, c'est bien marqué les plis. Et voilà, vous voyez? Bon, faut bien attendre que là, ça sèche bien. Avant que ça adhère bien, faut bien faire ses plis. Faut pas que ça fasse ça gondole. Bon, là, ça a un peu gondolé, mais avec mon papier déco, après, ça ira très bien. Donc là, on va attendre que ça sèche bien. Je vous explique comment j'ai fait ces parties-là. Donc j'ai allié deux blocs de chez Action. Du coup, j'ai allié les deux là, ces deux-là. Donc j'ai pris, parce que ma maman aime bien, alors j'ai allié même trois blocs, plus ou moins. Donc j'ai pris celui-ci, quelques papiers de celui-là. J'ai pris pour faire, j'ai pris un peu sur le papier un bloc automne. Et voilà, ce bloc-là, j'ai pris trois blocs en fait en tout, à peu près. Que j'ai essayé de. Donc j'ai pris aussi dans celui-là.
Donc c'est le unspun time. Et j'ai pris dans le bloc automne aussi, forest automne. Je vais vous montrer. Parce que son thème, maman de déco, comme je vous ai dit, c'était automne. Donc en fait, j'ai pris surtout pour les petites cartes comme ça. Parce que j'ai dit, bah là, les invités, eh ben, ils mettront des petits mots sur ça, en fait. Ça, c'est le carnet. Comment on appelle ça? Le livre d'or. Donc là, c'est la partie livre d'or. Voilà. Donc là, je n'ai pas tout à fait fini. Donc en fait, comment j'ai procédé? J'ai pris. Je vais peut-être prendre une feuille. Je vais juste vous montrer. Voilà. J'ai pris une feuille comme ça, à 4, enfin, du bloc de chez Action. Donc j'ai pris les plus épaisses quand même, je crois. Non, j'avais pris les fines. J'ai pris les fines. Donc j'ai pris les feuilles fines. Parce que je me dis déjà, en collant tout le papier déco, c'est déjà pas mal, ça va être assez épais. Donc je les ai pliés bien en deux, comme il faut, bien en deux. Et en fait, bah, j'ai fait, là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le carnet livre d'or, j'en ai mis 7. J'en ai fait comme ça et j'ai collé en fait. Je les ai superposés, j'ai collé. Donc en fait, à un moment, ça fait qu'il y en a deux de collés. C'est pour ça que là, il y en a que ça fait quand même épais. Et du coup, après, bah, j'ai fait mes papiers déco. Donc après, les papiers déco, c'est comme on veut, hein. Moi, j'ai fait du papier déco de 14 sur un peu plus de 20. 20 et demi. Ouais, c'est ça. 14 sur 20 et demi, ce qui me rappelle. Et du coup, et là, ça fait. J'ai pas ma grande. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, ça fait un peu plus. Ça doit faire 21. Voilà. Et puis 14. J'ai fait 14. Ouais, c'est plus 14 et demi. Non, j'ai fait 14. J'ai laissé 14 sur. Voilà. Parce que j'aime bien qu'on voit le craft quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai utilisé les petites cartes. Voilà. Alors j'ai pris celle du bloc automne et celle du bloc unspun machin là. J'arrive pas à le dire. Donc voilà. Donc vous voyez, j'en ai encore quelques-unes à finir de coller. J'en aurai d'autres à redécouper. Donc j'ai encore ça à finir. Donc là, je vais découper des petites lettres et je vais mettre livre d'or comme ça là. Et puis j'ai procédé la même chose sur la partie album. Et puis là, bah, j'ai utilisé mes papiers. Voilà, donc là, on collera des petites photos. Voilà, vous voyez, on peut mettre quand même des belles photos hein, dessus. Hein. On peut faire du 15, 15-10, hein. Au moins deux de 15-10. Après le papier, il suffit à lui-même. Ah bah là, j'ai pas fini, je l'ai pas collé celle-là. J'avais oublié. Bon, on va le faire ensemble. J'avais pas collé celle-là. Donc après, bah voilà, j'ai allié un peu les couleurs. Puis comme ma maman aime beaucoup le vert, et puis j'ai quand même resté un petit peu dans son thème d'automne. Alors, du coup, on va finir la couverture, on va finir d'assembler ça sur la couverture. Donc voilà, bon, vous voyez. Hein. Donc ça prend quand même. Et là, j'ai mis, si vous voulez savoir, à peu près 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 papiers. Voilà, 13. Et puis là, je ne sais plus combien je vous ai dit. J'en ai mis moins. Hein. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 7, la moitié moins. Voilà. Puis de toute façon, quand on referme, ça fait pas. Ça ne jure pas. Donc là, on va venir coller. Donc là, je vais venir coller. Alors, je colle celui-ci comme ça. Et celui-là comme ça. Donc là, il faut que je sois bien là. Je ne vais pas faire de bêtises quand même. Voilà. Voilà. J'allais mal le coller. Après, j'aurais pu faire légèrement plus large, mais bon, j'aime bien comme ça. Donc là, on va venir coller. Donc là, je colle juste la dernière feuille hein, dessus.
Je vous dis, hein, moi, c'est pas des trucs compliqués. Faire des trucs avec pochette. Bon, je le ferai peut-être un jour. J'en ai fait, hein, avec des pochettes, mais il faut que je suive des tutos. J'ai du mal à me lancer toute seule à faire. Bon, je sais que je pourrais, hein. Mais moi, il faut que ça reste simple. Et puis, bah, c'est une manie, mais j'aime bien presque le finir le jour même, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand je commence, j'ai envie de le finir. Donc, si je fais un truc trop... Bon, là, j'apprends, comme j'ai voulu faire la couverture avec vous. Bon, j'ai dit, allez, je ferai la couverture avec mes abonnés. Là, on va faire un petit trou aussi pour... je passerai un bijou d'album. Je ferai un bijou d'album. Bon, je verrai si je ferai avec vous. Je vais peut-être attendre que ce soit sec pour faire le trou. Donc, on le fera au moment. Je verrai si je le fais avec vous ou pas. De toute façon, je vous montrerai tout ça une fois fini. Je vais voir si j'ai le temps la semaine prochaine. Donc là, on va attendre que ça pose bien. Ce que j'aurais pu faire, c'était de faire la couverture. Bon, là, ça va. Ouais, c'est très bien. On va quand même... Ouais, faut que j'attende que ça pose. J'aurais dû coller la couverture avec vous. On va le retourner, comme ça. On va coller la couverture. Bon, là, ça a un peu plissé, par contre. Dommage. Bon, c'est pas grave. Je vais arranger avec du ruban. Puis, à force de l'ouvrir, c'est vrai que j'attends pas que ça soit bien sec. Donc, là, on va venir coller la couverture. Ouais, ça va se remettre. C'est parce que là, c'est pas collé. Alors, du coup, voilà. Donc, ma tranche. Et puis, alors ça, j'avais dit... Alors, attendez, parce que j'ai pas envie de faire de boulettes. Ouais, c'est bien ça. Donc, ça, c'est le devant. J'avais dit, ouais. Ouais, comme ça. L'arrière, ouais. Et ça, je voulais le mettre comme ça. Donc... Ouais, j'aurais dû faire ça d'abord, avant de coller mes parties, mes albums. Je vous dis, je n'ai pas l'habitude de faire ça en vidéo. Donc, voilà. Ouais, c'est bien ça. C'est ça. J'avais peur de m'être trompée. Je préfère vérifier avant que ce soit trop collé. Mais je suis contente, il va être beau. J'ai mis du temps, j'ai oh là là, va falloir que je le fasse. Je m'étais mis avant à faire un. Bon, je vous montrerai, mais je ne l'ai pas fini. Un calendrier de l'avant. Puis je dis, ouais, faut peut-être que je fasse. Faut peut-être que je me mette aussi dans l'album de maman. Bon, après, je sais que je suis pas. Je suis rapide. Je sais qu'il était rapide à faire. Bon, ça m'a pris quand même du temps. C'est pas compliqué, mais c'est redondant, en fait. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire ça. Parce que c'est bah, de couper ses papiers, choisir ses papiers, ça qui prend du temps. Bon, après de coller aussi, hein, parce que finalement ça fait pas mal de papier déco à prévoir. Voilà, ça je vais être sûre de moi. Là, ah, le ruban, j'ai oublié le ruban. Vous voyez, je fais des bêtises. Donc là, il va falloir que voilà, heureusement. J'ai oublié de mettre le ruban. Ça, c'est tout moi. Alors, on va prendre le ruban. Donc, je voulais prendre le petit marron. J'aime beaucoup ce ruban-là. Ces rubans-là, je trouve qu'ils sont... J'avais mis un rose pour le mien. Et là, je vais mettre un petit marron. Donc, je mets à peu près... Donc, on va mettre à peu près au milieu. Oh, moi, je ne mesure pas. Voilà. Vous voyez, je fais tout simple. Je mets à peu près au milieu. Voilà, il va coller en plus. J'aurais pu mettre c'est du double face aussi. Pour que ça tienne mieux. Là, je mets à peu près ça. Là, je vais recoller ça. Je vais peut-être remettre un peu de colle parce que du coup... Alors à sécher la poêle, ça va plus tenir.
contre, là, je vais avoir mis plein de colle là-dessus. Je me méfie. Donc, ça, on va se mettre plus par là. Oh, c'est casse-pied d'avoir un petit bureau aussi. Alors, du coup, je vais reprendre une petite longueur de ruban. Bon, j'ai collé que ça. Hop. Si c'est trop long, je recouperai. Bon, je sais pas. Voilà. Hop. Donc, je mets à peu près pareil. Bon, j'aurais pu se mesurer pour être à peu près au milieu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est à peu près la même longueur. Hop, je vais recouper après. Donc là, je viens mettre. Je voulais mettre comme ça ou comme ça. Bon, comme ça, ce serait peut-être mieux. Après, il n'a pas vraiment de sens celui-là. Ah, ça fait déjà 26 minutes que je suis avec vous. Ah, ça prend du temps quand même. Hein. J'ai le repas qui cuit. On va manger une tartiflette. J'avais envie de ça. Bon, j'espère que je vais le digérer parce qu'avec mes problèmes d'estomac. Voilà. Et voyez. Ah, c'est trop beau. Et puis là, je referai mon trou. Je verrai pour... Je ne sais pas trop si je ferai un bijou parce que finalement, là, je ne vais même pas avoir de place si, pour faire un petit trou. Ouais, j'ai fait un peu assez grand. Je n'ai pas fait tout à fait les mêmes mesures que le mien. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de faire un petit truc quand même. Donc là, voilà, pour égaliser plus ou moins, je ferai... Alors, vous voyez, ça... Voilà. Petite trace de colle. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup, déjà. Donc, là, bah, je ferai... je pense que là, je vais arrêter avec vous. Je collerai... donc, je vais vous quand même vous montrer, peut-être... Vous me dites si ça peut être sympa. J'avais des petites décos en bois. J'ai dit, est-ce que je mets sur l'album de maman? Donc, j'avais bonheur. Après, il faut que je redise quand même 75. Ouais, ça peut être joli, hein. Et j'avais une autre petite découpe en bois, mais je crois que ça faisait plus Noël. Ou peut-être trouver... Et là, j'ai découpé, donc vous voyez mes lettres. Tout est prêt pour mettre livre d'or et dans un dies. Hein. 75. Je l'aurais voulu en bois, mais j'ai pas. Parce que moi, j'avais acheté... mais j'ai pas des chiffres en bois. À moins que j'arriverai à trouver ça... d'ici j'ai des lettres et en plus je voulais mettre autre chose avec ces lettres mais il me manque des lettres donc tant pis. Du coup je voulais vous montrer la couronne. Je pense que je vais le mettre bonheur déjà, je trouve ça joli la petite couronne. Je sais pas ce que j'en ai fait, c'était une petite couronne, hein. Je pense que ça faisait plus une petite découpe de Noël. Bon, bah, je vous montrerai une fois que je l'aurai fini. Non, elle n'est plus là, elle n'est pas là. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, voilà pour mon album. Donc je sais que quelqu'un avait demandé hein, comment je faisais ça. Ah, j'aime beaucoup faire comme ça. C'est très simple. Et voilà, c'est... Donc là, je mettrai un petit crayon à dispo. Bon, je mettrai un crayon vert, parce que comme ma maman aime bien le vert, on mettra un petit crayon vert. Et puis voilà, après, j'aurais plus qu'à... Bah oui, j'ai plein de feuilles que... Oh, finalement, il y avait certaines que j'avais oublié de coller. Hein. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle est jolie. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là. Voilà. Dans le thème vert, automne... Voilà, ouais, parce que j'ai refermé quand c'était pas... Bon, ça gondole quand même un peu. Hein. Mais bon, ça va. Ça reste présentable quand même. J'aime beaucoup celle-là. Moi, là, c'est du bloc On Points. Ouais, c'est parce que là, vous voyez, j'ai pas trop... Oh, après, ça va.
Donc voilà pour mon album. Bon, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis bah, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas en commentaire à me dire ou à m'envoyer un mail. Je remettrai mon adresse mail sous la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Scrapez bien. Bye bye.